Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous faire visiter une autre chaîne de magasins qui s'appelle Winn-Dixie. Winn-Dixie, c'est donc toujours des magasins de nourriture, il y a un peu de tout. Alors, non, elles ne sont pas à vendre, c'était pas de la nourriture. Et voilà le magasin. Alors, non, elles ne sont pas à vendre, c'était pas de la nourriture. Et voilà le magasin. Alors, non, elles ne sont pas à vendre, c'était pas de la nourriture. Et voilà le magasin. Alors ça aussi, c'est plus pour moi, comme d'habitude. Ça non plus. Alors, vous voyez, à perte de vue. Des glaces. C'est Häagen-Dazs ou Ben & Jerry's. C'est les deux grandes marques américaines. Après, bien sûr, vous avez les Magnum, mais ça, vous connaissez, c'est belge. Et vous avez les Talenti. Je ne sais pas si vous connaissez, en France aussi. Voilà, et comme ça, ça continue. Vous voyez, des glaces, et ça continue. Voilà. Et en face, vous avez des rayons de pizza, c'est pas pour moi, des pizzas, des hot dogs, enfin que de la bouffe que je peux pas manger, quoi. Voilà, alors je suis pas gâté, vous le voyez, hein. Alors là, on recommence avec les glaces. Et ça, c'est la crème fraîche, ça s'appelle la whipped cream en anglais. Alors là, bien sûr, du pain, des pizzas. Voilà. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose pour moi. Hein? Alors, allons par là. Excusez-moi, si je vais pas tout droit. Alors, plein de saucisses emballées. À perte de vue.
Voilà, la seule chose à la rigueur, les cornichons. Fromage et lait cuisé. La caséine. Les gâteaux, j'oublie. Tout ça, j'oublie. Ça, c'était bon. Et voilà, et encore des fromages. Ça, c'est le fromage en paquet. En paquet, en tranche, 100% chimique. Et vous en avez des rayons et des rayons et des rayons. Beurre chimique. Les œufs. Bon. Organique des œufs organiques, incroyable, ça existe. Voilà, il y en a. Donc il y a des œufs organiques. Ah, tiens, d'ailleurs, c'est très raisonnable, non? Je sais pas, je connais pas grand chose. Mais 12 œufs pour 3,99 organiques. Ça n'a pas l'air fou. Ah oui, quand c'est pas organique, c'est quand même 2,27. Ça fait une grosse différence. Des chips. Qu'est-ce que c'est bon ça, les amis. Qu'est-ce que c'est bon. C'est du cake au citron, mais il est tendre, il est bon. Alors, autant ça, c'est bon, que ça, c'est pas bon. Ça, c'est vraiment pas bon. C'est sec, c'est infect. Les cookies, par contre, là derrière, c'est délicieux. Alors, encore une spécialité américaine, c'est bien sûr les donuts. Les donuts, ça, c'est super bon. Et là, on se croirait en France avec les 4 quarts. Et ça, on en avait toujours un ou deux à la maison. Et le matin, on se prenait une petite tranche. Ce qu'on faisait, on les congelait. Et c'était encore bien meilleur. Et voilà, et encore des fromages. Ça, c'est le fromage en paquet. En paquet, en tranche, 100% chimique. Et vous en avez des rayons et des rayons et des rayons. Beurre chimique. Les œufs. Bon. Organique des œufs organiques, incroyable, ça existe. Voilà, il y en a. Donc il y a des œufs organiques. Ah, tiens, d'ailleurs, c'est très raisonnable, non? Je sais pas, je connais pas grand chose. Mais 12 œufs pour 3,99 organiques. Ça n'a pas l'air fou. Ah oui, quand c'est pas organique, c'est quand même 2,27. Ça fait une grosse différence. Des chips. Qu'est-ce que c'est bon ça, les amis. Qu'est-ce que c'est bon. C'est du cake au citron, mais il est tendre, il est bon. Alors, autant ça, c'est bon, que ça, c'est pas bon. Ça, c'est vraiment pas bon. C'est sec, c'est infect. Les cookies, par contre, là derrière, c'est délicieux. Alors, encore une spécialité américaine, c'est bien sûr les donuts. Les donuts, ça, c'est super bon. Et là, on se croirait en France avec les 4 quarts.
Et ça, on en avait toujours un ou deux à la maison. Et le matin, on se prenait une petite tranche. Ce qu'on faisait, on les congelait. Et c'était encore bien meilleur. Et voilà, et encore des fromages. Ça, c'est le fromage en paquet, en tranche, 100% chimique. Et vous en avez des rayons et des rayons et des rayons. Beurre chimique. Les œufs. Bon. Organique, des œufs organiques, incroyable, ça existe. Voilà, il y en a. Donc il y a des œufs organiques. Ah, tiens, d'ailleurs, c'est très raisonnable, non? Je ne sais pas, je ne connais pas grand-chose. Mais 12 œufs pour 3,99 organiques, ça n'a pas l'air fou. Ah oui, quand c'est pas organique, c'est quand même 2,27. Ça fait une grosse différence. Des chips. Qu'est-ce que c'est bon ça, les amis. Qu'est-ce que c'est bon. C'est du cake au citron, mais il est tendre, il est bon. Alors, autant ça, c'est bon, que ça, c'est pas bon. Ça, c'est vraiment pas bon. C'est sec, c'est infect. Les cookies, par contre, là derrière, c'est délicieux. Alors, encore une spécialité américaine, c'est bien sûr les donuts. Les donuts, ça, c'est super bon. Et là, on se croirait en France avec les 4 quarts. Et ça, on en avait toujours un ou deux à la maison. Et le matin, on se prenait une petite tranche. Ce qu'on faisait, on les congelait. Et c'était encore bien meilleur. Alors là, il y a tout ce qu'il faut pour empoisonner les enfants. Là aussi, à perte de vue, en face, pour empoisonner les gens, les sportifs qui croient qu'ils se font du bien avec ça. Alors là, ils ont tout. Les Hershey, c'est la marque américaine. Le Nesquik, l'Ovaltine, c'est pas l'Ovomaltine. On s'est fait avoir au début. On en a acheté en croyant que c'était de l'Ovomaltine. Ça n'a rien à voir au point de vue goût. Après, il y a des chocolats, un peu toutes les marques. Ah, du thé. Bon. Là, on risque pas grand-chose. Dunkin' Donuts. Alors là, ils ont tout. Les Hershey, c'est la marque américaine. Le Nesquik, l'Ovaltine, c'est pas l'Ovomaltine. On s'est fait avoir au début. On en a acheté en croyant que c'était de l'Ovomaltine. Ça n'a rien à voir au point de vue goût. Après, il y a des chocolats, un peu toutes les marques. Ah, du thé. Bon, là, on risque pas grand-chose. Dunkin' Donuts. Alors là, ils ont tout. Les Hershey, c'est la marque américaine. Le Nesquik,
L'Ovaltine, c'est pas l'Ovomaltine, on s'est fait avoir au début. On en a acheté en croyant que c'était de l'Ovomaltine. Ça n'a rien à voir au point de vue goût. Après, il y a des chocolats, un peu toutes les marques. Ah, du thé. Bon, là, on risque pas grand-chose. Dunkin' Donuts. Et maintenant, c'est la viande. Alors ça, c'est une expression américaine. Ils disent « save », on sauve de l'argent ici. Quand on dépense, c'est pas une remise, c'est pas... On sauve de l'argent. Magnifique. Poisson surgelé, crevettes. Même des sols et du tilapia. Là, le rayon frais. Les boissons alcoolisées, comme vous voyez, à perte de vue. Et là-bas, on arrive aux légumes. Et voilà, on arrive. Des légumes partout. Ça, hélas, non plus, c'est plus pour moi. Les sauces, c'est toujours plein de sucre. Les salades en sachet. Alors ce magasin, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup moins de monde que chez Whole Foods ou Fresh Market. Des aloe vera. C'est la première fois que j'en vois dans des magasins. Des papayes et voilà une des rares choses que je peux manger, des poivrons. Alors vous voyez, c'est assez bizarre, je sais pas pourquoi, hein, me demandez pas. Les seuls qui ont moins de sucre, c'est les verts, et ils coûtent 99 cents. Là, il y en a des jolis en couleur qui coûtent 1,99. Et après, 1,99 les oranges, 1,99 les jaunes. Et là en haut, 2,99 pour 3. Donc ça revient au même que les verts. Les jalapenos, il y en a des très forts. Ici, on peut être surpris. Ça aussi, j'ai le droit de manger, bien sûr. Les zucchinis et les soupes Bruxelles.
carotte, trop de sucre. Le kale. Alors le kale, ça c'est une super salade qui nettoie le foie. Vous savez, j'ai mis des vidéos en ce qui concernait le foie gras. Hein, c'est fatty liver. Et le kale, c'est un des meilleurs remèdes. Et voilà, et maintenant, on change de crèmerie. C'est juste à côté, c'est pas une crèmerie. Ça s'appelle TJ Maxx. Et c'est un magasin où on trouve tout, soi-disant, en affaires. Y compris les meubles, que les valises, les sacs, les vêtements. Absolument tout. La décoration. La bijouterie. Alors, pour attirer les clients, ce magasin, imaginez-vous que tous les lundis, aux petits vieux comme moi, mais il faut avoir 55 ans, et quand vous avez 55 ans, vous avez 10%. Alors c'est amusant parce qu'on venait depuis au moins 10 ans ici. Donc on devait avoir 65 ans. Et un jour on arrive à la caisse avec mon épouse et ils nous font 10%. Alors on leur pose la question, mais ça fait 10 ans qu'on vient. Et donc on aurait eu droit à ces 10% depuis les 10 ans. Et donc, en plaisantant, je dis, « Ah ben écoutez, vous allez nous rembourser les 10% sur les 10 ans ?» Alors, elle dit, « Aucun problème, mais sans plaisanter. Si vous avez les tickets de caisse ou les preuves des achats, bien évidemment, on va le faire. » C'est les États-Unis. Les parfums, les chaussures, les valises... Là, c'est le coin femme. Enfin, pas pour les valises. Les valises, c'est pas des valises femmes. Oh. Tiens, je connais lui. Alors, vous voyez, elle est pas grosse, hein, ma caméra. Hein. Les parfums, les chaussures, les valises... Là, c'est le coin femme. Enfin, pas pour les valises. Les valises, c'est pas des valises femmes. Oh. Tiens, je connais lui. Alors, vous voyez, elle est pas grosse, hein, ma caméra. Hein. Les parfums, les chaussures, les valises... Là, c'est le coin femme. Enfin, pas pour les valises. Les valises, c'est pas des valises femmes. Oh. Tiens, je connais lui. Alors, vous voyez, elle est pas grosse, hein, ma caméra. Hein. Les parfums, les chaussures, les valises... Là, c'est le coin femme. Enfin, pas pour les valises. Les valises, c'est pas des valises femmes. Oh. Tiens, je connais lui. Alors, vous voyez, elle est pas grosse, hein, ma caméra. Hein. Les parfums, les chaussures, les valises...
Là, c'est le coin femme. Enfin, pas pour les valises. Les valises, c'est pas des valises femmes. Oh. Tiens, je connais lui. Alors, vous voyez, elle est pas grosse, hein, ma caméra. Hein. Et alors, de ce côté, les rayons hommes. Là aussi, à perte de vue. Avec bien sûr toujours l'éclairance. Puis les jouets, vous voyez, il y a vraiment tout. Les enfants. Et les meubles. Les couettes. De la déco. Et voilà les amis, la promenade est finie. Donc, je vais aller me promener ailleurs, hein, en attendant que Dominique rentre.